Vraiment heureux quoi, de retrouver la glace, un vrai plaisir ce soir en plus, même si elle a été rude sur la fin, mais une victoire, donc l'essentiel est fait, puis de retoucher la glace, vraiment un grand bonheur. Alors, sur le match, Lausanne Hockey Club est parti très très fort, hein, 2-0 à la fin du premier tiers, et puis ensuite la Chaux-de-Fonds a réussi à retourner la situation à sa faveur pour finalement arriver à vous mener jusqu'au tir au but. Ouais, disons que le premier tiers on a vraiment fait, je pense, l'entame de match parfaite, on a joué 20 minutes, où ils ont payé beaucoup de shoots, 2-3 shoots, je pense. Puis ensuite, en rentrant dans le deuxième, on était un peu plus souple. Ils se sont créés des occasions, ils se sont ajustés à notre jeu et puis ils ont réussi à revenir dans le match. Puis en fait, on a fait un finish quand même pour remporter la victoire. Bah, l'histoire, hein, face à Chaux-de-Fonds, finalement, c'est une histoire de pénalty. Ouais, disons, le dernier match, j'y étais pas. C'est vrai que chaque fois, c'est très serré, donc une équipe a joué et puis. Très bonne équipe sur le papier aussi. On a aussi vu, ils sont vraiment surmotivés quand ils jouent contre le Zanaka Club. Hein. Bon, bien sûr, je pense que pas mal d'équipes, c'est le cas. Et puis de venir aussi chez nous, d'essayer de nous titiller. Et puis c'est aussi le dernier match avant les play-offs, avant peut-être une prochaine rencontre. Alors, prochain match, Viège, un autre ténor de la Ligue. Ouais, je pense qu'il faudra faire la même entame qu'aujourd'hui et puis prendre l'idée. Faire une continuation sur les 60 minutes, en fait, jouer comme ça sur 60 minutes. Merci Gaëtan, on est vraiment très content de vous voir sur la glace. Merci. L'expérience ce soir arrive au volant de la Chevrolet Camaro.